vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Nabila et Thomas qui s'apprêtent à devenir parents. Après Carla jeudi dernier, Nabila devrait être la prochaine à accoucher. En effet, après avoir eu des contractions toute la nuit, elle est actuellement à la maternité. La jolie brune est complètement paniquée, mais elle peut heureusement compter sur le soutien de son chéri Thomas Vergara. Pour lui, c'est sûr, leur fils va naître aujourd'hui. Je vous laisse tout de suite avec les snaps de Nabila en direct de la maternité et dites-nous en commentaire si vous pensez vraiment que c'est pour aujourd'hui. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah là on part à la maternité maintenant. Des contractions tous les combien? Bah je sais pas. Non, mon mari qui est au téléphone avec sa mère. C'est une contraction. On va vite bah là, c'est la contract, à la maternité hein. Parce que j'ai pas dormi de la nuit, j'ai des contractions. Ça me fait tellement mal. Donc on va voir ce qui se passe. Écoute, le médecin m'a dit on va à la maternité, venir. On va voir. Hein. Donc là on va à la maternité, on a trop peur. Moi non. Lui il a pas peur du tout, moi je suis morte de trouille les gars. Moi j'ai hâte. J'ai trop peur. Ça va bien voilà, donc on sait pas si c'est pour aujourd'hui ou pas, mais en tout cas j'ai eu des contractions toute la nuit et là ça va pas du tout ce matin, donc on s'est dit ok on y va, le gynéco nous a dit venez vite à la maternité et voilà, donc on espère que ça va bien se passer. J'espère que c'est pour aujourd'hui. Tu remplis, ok. Alors, hypertension artérielle. Non. Lévite. Non. Ah oui, donc tu as des problèmes digestifs gastriques. Non. Sûr. Oui. Reflux gastrique. Non. Oui. Non, mais pas oui, ah, s'il te plaît. Hépatite, non. Trouble du transit. Non. Avez-vous présenté des problèmes rénaux? T'as des migraines? Allô, vous avez un problème de migraine, Oui. Oui? Bah parfois oui. Dépression? Oui. Mais au milieu. Et dépressive? Non, mais au milieu. Avez-vous des problèmes endocriniens? Non. Le diabète? Non. Thyroïde? Je sais pas c'est quoi. Bon, salut à tous les amis. Je vous fais pas un dessin. Alors on part en catastrophe, direction la maternité. Après une nuit très mouvementée, des contractions multipliées. J'ai trop mal. En plus hier je disais que j'avais rien et tout, genre je faisais trop la belle. Bah voilà ce qui m'arrive. Voilà. Donc peut-être que mon fils va naître le 5 octobre. Arrête, j'ai trop ou le peur. 6. Arrête, s'il te plaît. Voilà, je vous en dirai plus plus tard. Là, je vous raconte pas. Je suis paniquée, les gars. La pauvre. J'ai trop peur. Ça va bien se passer. J'ai trop peur. Vous pensez que c'est possible qu'elle m'insulte? Bien sûr. Surtout la première, elle est. Ah bah là, pour le premier bébé, là, oui, je vais lui écrabouiller la main. Oui, oui. Mais moi, je sais, parce que la première, moi, j'attends longtemps, hein. Aïe, aïe, aïe. Et je suis plus fatigué qu'elle, là. Montre-moi tes mains. Montre-moi tes mains. On va appeler une manicure, hein. Elle va couper les ongles de suite. Non. Ah si si si. Arrête. Ah ouais, je sens qu'elle va me broyer les doigts, elle va m'insulter. Bon, on vient d'arriver, on m'a dit d'enfiler ça. Voilà. Je vais aller voir ce qui se passe.